quand vous évoluez à domicile, vous savez ce que cela voudra dire comme une pression supplémentaire. Lorsque vous avez votre public derrière vous, c'est une pression de plus. Donc, ils ont obligation de résultat. Le DTN là sont liés. Le Bénin ne peut pas organiser un championnat du monde sans pour autant partir avec un titre. Ça ne sera pas du tout bien. Et comme l'a dit le grand frère Ambroise tout à l'heure, Ambroise. en tout cas, comme l'a dit Ambroise tout à l'heure, qu'est-ce que je vais dire? L'objectif pour le Bénin, c'est d'abord l'organisation et après, pourquoi pas remporter. Et pour tout simplement remercier celui-là qui s'est battu pour qu'on ait cette organisation, celui-là qui est parti présenter le projet pour que le Bénin puisse obtenir cette organisation. C'est le moment de lui rendre la pièce. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire? C'est le moment de le rendre fier, en quelque sorte. C'est le moment de lui dire merci, vous êtes battu pour nous, pour qu'on ait cette compétition sur notre territoire. Et aujourd'hui, on est revenu avec le trophée. Et je suis sûr qu'ils iront présenter ce trophée-là, pourquoi pas au siège de la Confédération africaine des sports boules, pour lui dire merci, président, vous êtes battu, on a eu la compétition. Aujourd'hui, on est venu vous présenter le fruit de votre travail, sinon que c'est extrêmement important pour nous de le faire parce que ce n'était pas gagné d'avance. Vous l'avez fait et le DTN l'a compris. Il a déjà lancé le message très fort, surtout à la Fédération béninoise de pétanque, qu'il espère vivement que les moyens seront mis à leur disposition pour que les athlètes soient préparés, soient mieux préparés, pour qu'on ne dise pas à la fin que voilà, on a organisé le championnat à domicile, mais qu'est-ce qu'on a gagné par la suite? Certes, on sait tout ce qu'il y a derrière. Quand on organise une compétition de ce genre, ce n'est pas forcément que le côté résultat sportif. Après, il y a les autres aspects, surtout le tourisme et ce qui va avec. Mais l'important pour Guitron, nous, parce que lui, il a la direction technique, c'est les résultats. Et aujourd'hui, je suis sûr que les moyens seront mis à leur disposition pour que le Bénin puisse quand même faire une très bonne compétition.